1910-2010, donc forcément, c'est une année exceptionnelle, centième anniversaire de la marque, qui est donc créée le 24 juin 1910. Et donc, il y a forcément, Rétromobile est forcément axé sur le centième, enfin tout au moins pour ce qui est d'Alfa Romeo. Une grande première, c'est que nous avons réuni sur un espace commun les deux clubs représentatifs de la marque les plus importants en France. L'Alpha Classic Club de France et le club Alfa Romeo de France que je représente et qui fête par la même occasion, à l'occasion de son centenaire, ses 30 ans d'existence. Vous voyez comme quoi la passion a la vie dure. Alors, le choix des modèles a été fait, c'était un peu difficile parce que c'est sûr qu'on nous avions l'embarras de dire du choix car évidemment la marque Alfa Romeo a une gamme de modèles depuis les origines jusqu'à disons aujourd'hui exceptionnelle. Donc c'est vrai que le choix était assez difficile. Donc nous avons privilégié évidemment des autos rares, des autos de course. Vous pouvez tout constater qu'il y a un ensemble de véhicules avec des carrosseries évidemment assez exclusives, Zagato, la toute dernière 8C aussi, qui est un clin d'œil au passé avec des réminiscences au niveau forme, au niveau galbe. Donc c'est vrai qu'on a essayé de réunir le summum de la marque. C'est une année qui va être riche en événements, je dirais même qu'elle va être trop riche parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Tout le monde veut mettre dans les manifestations multimarques à l'honneur le centenaire de la marque Alfa Romeo. Alors les clubs vont être extrêmement sollicités, les passionnés de la marque aussi. On a un calendrier qui n'est pas encore tout à fait arrêté dans le détail, mais déjà de nombreuses manifestations sont prévues effectivement. Nous organisons déjà un énorme voyage en Italie du 19 au 27 juin prochain, mais il y aura beaucoup d'autres occasions de fêter cet anniversaire en France et à l'étranger, bien sûr. Les moments les plus forts, ça va commencer par les Classic Days à Magny-Cours le 1er de mai. Bon, je ne parle pas de Rétromobile, on en a parlé, où nos deux clubs vont être sollicités pour participer au centenaire de la marque sur le circuit de Magny-Cours. Et puis ensuite, il y a Spa Italia en Belgique, organisé par Jean-Pierre Magalès et le Quadrifoglio Belgio, qui est en fait au début d'une semaine de manifestation qui va nous conduire de Spa jusqu'à Milan, en passant par Mulhouse, la Suisse, Lugano. Et là, toute la semaine, il va y avoir des manifestations qui vont se dérouler à partir du 24 juin 2010, qui est la date anniversaire de la création de la marque. C'était le 24 juin 1910. Et ça doit se terminer le dimanche dans la ville de Milan. Et ensuite, bien évidemment, il y a d'autres manifestations de moindre importance qui auront lieu en France, comme notre concentration nationale au Mas du Clos le 31 juillet, le 1er août. Puis de nouveau des manifestations en Suisse dans le courant du mois d'août, 28-29 août. Et on doit se retrouver encore le 23 octobre à Montlhéry. Les deux clubs, le club Alfa Romeo de France et l'Alfa Classic Club de France. Puis nous serons également présents au salon Epoch Auto à Lyon pour fêter le centenaire d'Alfa où nous exposerons 25 voitures.